direct pour cette émission reportage VIP aujourd'hui depuis le stade Vauban à Nice. Dans quelques minutes aura lieu le départ du parcours de la Charlie Bérard. Alors la Charlie Bérard est une course en l'effigie de, bien sûr, du coureur Charlie Bérard que nous interviewerons tout à l'heure et que vous pourrez écouter sur notre antenne dans cette émission spéciale vélo aujourd'hui, reportage VIP. Alors je vous donne quand même l'itinéraire. Donc il y a deux parcours, le parcours numéro 1, 115 km, le parcours numéro 2, c'est le plus petit, 85 km. Départ fictif du stade Vauban à partir de 9h, direction Saint-André-de-la-Roche pour le départ réel, ensuite direction Falicone, Aspremont, Saint-Blaise, Lévens, Châteauneuf-Vieille, Bendegin, Comte, Clos de Comte, Col de Nice, ensuite donc le petit parcours 85 km, redescend du Col de Nice, Pointe de Comte, direction Saint-André-de-la-Roche, Stade Vauban, et le grand parcours au Col de Nice, il continue à monter, direction l'Escarène, Touette de l'Escarène, Col de Brosse, Col de l'Ablé, Lucéram, donc ils vont taquiner le Col de Turigny, et ensuite on redescend sur le Col de Nice pour redescendre sur la Pointe de Comte et Saint-André-de-la-Roche. Voilà pour les parcours. Nous, avec la moto RVPB, nous serons dans le peloton et nous irons directement sur le grand parcours. Donc, je vous ferai des pointes, des directs durant ce grand parcours de 115 km. Donc, pour vous faire vivre la course au cœur de l'événement, bien sûr, avec VIP Radio Online, www.vip.fr.st. Et voilà, donc vous savez un petit peu les rouages de cette course de vélo Charlie Bérard qui a lieu tous les ans au mois d'avril. Voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne émission. Alors, on fera des directs de 8h à 13-14h environ. Des directs par parcimonie, étant donné que je suis sur la moto RVPB, donc ça va être des directs parcimoniques, voilà, enfin par parcimonie, donc en plusieurs états, en plusieurs fois les directs. Voilà, je ferai des pauses pour vous présenter un peu la course et le déroulement. Voilà, et pour cette émission enregistrée, bien sûr, eh bien, on part pour une heure au moins d'émission, entrecoupé des artistes musicaux de notre association, hein, à savoir Lucia, Pascal, Jean-Philippe, Boudax. Et Alvaro. Donc nous écouterons leur musique durant cette émission podcastée pendant plus d'une heure, voilà, pendant une heure environ. Voilà, et bien tout de suite on part en pause musicale et je vous récupère tout à l'heure pour la suite du direct et le début du direct d'ailleurs. Ciao, bye bye. C'était Jérôme depuis le stade Vauban à Nice.
Alors bonjour Charlie Bérard, aujourd'hui la course qui porte votre nom est organisée au Stade Vauban à Nice pour VIP Radio. Vous êtes au micro de RVPB. Ben, bonjour à tous et merci de nous suivre et de vous associer à notre manifestation. Alors donc expliquez-nous, il y a deux parcours, il y a le 85 km et le 115 km. Deux parcours sont proposés, le petit et le grand. Le petit avec deux boucles qui sont communes, hein, c'est-à-dire Saint-André, Aspremont, Le Mans, Comte et Nice pour le premier, et puis une boucle pour les plus costauds qui vont monter le col de Brosse et puis redescendre sur Lucéram et nous rejoindre ici à Vauban. D'accord, alors est-ce que vous avez une idée peut-être du favori qui peut gagner cette année ? Bah, si vous voulez, l'idée c'est quand même que ce soit une fête, hein, que ça reste une fête. Donc ça veut dire qu'on a deux pelotons qui sont très hétéroclites. On a des amis, mes anciens coureurs me font la gentillesse de nous rejoindre, c'est-à-dire je pense à Geoffroy Le 4, j'espère Renaud qui est champion de France, Tristan Valentin qui est professionnel, donc puis un certain nombre d'élites qui sont là, non pas pour faire la course mais pour être présents et s'associer à la fête, donc ils sont un peu disponibles et je les en remercie. Et puis ensuite, bon, après l'idée c'est quand même de faire que chacun fasse ce parcours à son propre niveau, quoi. D'accord. Bientôt, on vous verra sûrement sur le Tour de France, peut-être sur Nice. Bah oui. Dans le background, hein, je dis ça. Dans la mesure où nous sommes associés au niveau du Sprinter Club de Nice dans une épreuve qui est le Grand Prix de la ville de Nice, qui est support de le numéro 0 de la francophonie, donc je serai pas très loin. D'accord, bah merci à vous et bonne journée. Bonne journée. VIP Radio Online, Saint-Laurent du Var, Claudine Barral qui fait partie de l'organisation de cette Charlie Bérard au micro. Bonjour tout le monde, nous voilà en direct sur le stade Vauban où va se dérouler le débat. Alors le premier parcours, c'est-à-dire le 115 km qui va partir à 9h du matin. Par contre, nous aurons ensuite le deuxième parcours qui est beaucoup plus petit et qui part à 10h. Tout se passe bien, nous arrivons à peu près à 650 concurrents là actuellement. Nous avons une vingtaine de filles cette année qui décident de participer à l'épreuve, ce qui nous fait énormément plaisir. Voilà, donc nous espérons que tout va bien se dérouler. Vous allez suivre en direct, je pense, toute la participation à cette grosse épreuve que nous essayons de maintenir chaque année. Merci beaucoup et à bientôt. Ça fait combien de temps qu'elle existe ? Je crois une dizaine d'années maintenant, hein, mais bon, nous avons eu des petits problèmes puisque nous étions à côté. Maintenant, ils vont construire un immeuble, donc ils nous ont transférés de ce côté. Mais tout se passe bien, il y a une très très bonne ambiance. C'est vrai que c'est une grosse organisation. Nous étudions ça d'une année sur l'autre, mais tout se passe très bien et nous sommes vraiment très contents. Et tout le monde est content, surtout pour le repas aussi, où nous mangeons pissaladière, tourte de blette, et tout le monde est content. C'est vrai que voilà. C'est placé sous le signe de la convivialité ici. Hein. Ah oui, tout à fait, hein, c'est ce que nous recherchons, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de concurrents qui chaque année se prennent vraiment avec plaisir à refaire la même épreuve, surtout que vous allez voir, le paysage est vraiment fantastique, et en plus, nous avons une très très belle journée. Voilà, il fait un peu froid sous le chapiteau, mais quand même, il fait c'est très agréable. Merci, bonne journée. Merci. Au travers des silences qui mine les consciences, dans les regards perdus par tant d'intransigeance, dans les cités maudites rongées par la violence, sur ces murs tant de signes de désespérance. Dans les mots de l'enfance qui subliment l'existence, dans les contrées meurtries par tant d'indifférence, sur cette terre donneuse de sens, porteuse de vie et d'espérance, mémoire intacte de nos errances, empreinte tenace et exigeante.
ma mémoire, au plus profond de ma conscience, vacille toujours ce désir fou de voir un jour poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour, peut-être, poindre l'espoir, poindre l'espoir. Un jour, peut-être. Poindre l'espoir. Un jour. Peut-être. Monsieur Bayle Maurice, vice-président de l'association qui organise la Charlie Bérard. Oui, nous avons le plaisir d'organiser cette cyclo-sportive depuis, c'est la huitième. Hein, voilà, j'attendais voilà. Le nombre d'années. Et bon, elle prend de l'ampleur chaque année un petit peu plus. Nous sommes arrivés à un régime de croisière que nous comptons maintenir. Nous arrivons à peu près à 700 concurrents. Oui. Voilà. Alors, cette cyclo demande beaucoup de monde pour l'organiser. Nous sommes plus de 170 bénévoles entre le village de départ et sur la route. Donc, on ajoute à cela deux ambulances, deux médecins urgentistes, un poste sanitaire fixe, quatre gendarmes motocyclistes, 14 gendarmes en poste et 20 policiers municipaux. C'est un staff à gérer très, très précisément. Hein. Voilà. Bon, personnellement, moi, ma grande satisfaction, c'est d'avoir initié cette cyclo-sportive qui est devenue la plus belle du département. En l'honneur de Charlie Bérard. Pourquoi ? Parce que j'estimais qu'il y a quelques années, on avait un peu oublié que Charlie avait été un grand sportif et un sportif de haut niveau qui compte dans la région, qui a quand même fait plusieurs tours de France et d'Italie, qui a été au service de Bernard Hinault. Voilà, et je pense que ma satisfaction, c'est d'avoir un petit peu réveillé les mémoires dans la région. Voilà. C'est chose faite. Très bien. Alors, juste pour petite info, nous, on connaît bien les cyclosportifs parce que chaque année, on suit la Ronde Picarde. Je ne sais pas si vous connaissez de nom, qui est du côté d'Abbeville, puisqu'on a une équipe d'animateurs sur Paris et qui se déplace, puisqu'on connaît très bien Henri Sagnier, qui organise la Ronde Picarde. C'est le parrain de notre radio. Ah, c'est le parrain de VIP Radio à Saint-Laurent. Ah, et parfait. Donc, on suit depuis maintenant pratiquement 10 ans la Ronde Picarde chaque année. Mais donc, écoutez, bravo. Je vous envoie le coucou de la part d'Henri Sagnier. Eh bien, vous le retournerez de notre part quand vous aurez l'occasion. Au mois de septembre, il y aura Florent, notamment l'animateur, qui sera là-bas. Eh bien, c'est parfait.
Voilà, merci. Aujourd'hui, pour vous expliquer, on suit la Charlie Bérard dans le peloton, grâce à vous, par votre intermédiaire, et on sera en direct via le mobile RVPB sur internet www.vip.fr.st. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parfait, donc, on prendra connaissance. Nous écouterons la Charlie Bérard sur notre antenne. Parfait, bien, merci beaucoup. De rien. De retour en direct sur la ligne de départ du Stade Vauban à Nice. Jérôme, pour RVPB, Charlie Bérard, qui est dans l'organisation, bien sûr, et le célèbre sportif. Est présent devant, nous l'avons interviewé tout à l'heure, vous l'écouterez dans un reportage VIP spécial Saint-Laurent. Monsieur le maire Christian Estrosi est au départ du parcours 115 km avec le dossard numéro 6. Nous aurons l'occasion de le recroiser durant la course, étant donné que nous sommes dans le peloton. Remercier la ville de Nice et puis son meilleur critère, on est à 10 annonces de bons auspices, le reste jusqu'à les photos là. Et voilà, merci beaucoup à Charlie Bérard pour qui nous sommes là. Bien évidemment, tous aujourd'hui, un petit mot avec monsieur le maire Christian Estrosi, monsieur le maire de Nice. Forcément, une journée importante parce qu'on sait qu'en 2013, plus particulièrement, Nice et le sport cycliste, c'est une vraie histoire d'amour. Oui, c'est vrai que 2013 est une très belle rencontre, notamment avec le Tour de France qui se tiendra les 2 et 3 juillet prochains avec un contre-la-montre absolument formidable, contre-la-montre par équipe. Et puis, c'est surtout ce jour de fête autour de notre ami Charlie. Voilà, c'est aujourd'hui sans doute celui de la génération d'aujourd'hui qui nous aura donné le plus d'enthousiasme, le plus de passion avec... ces Tours de France en équipe avec le blaireau, avec Bernard Hinault, aujourd'hui directeur de course du Tour de France, et que je vois chaque année plus nombreux les cyclistes, les coureurs, que ce soit les plus performants ou les plus modestes comme moi, autour de Charlie pour lui rendre cet hommage sur une très très belle épreuve avec un temps merveilleux aujourd'hui. Et bien voilà, c'est un hommage que nous rendons à Charlie Bérard. Un hommage que nous rendons aux cyclistes, au cyclisme de la Côte d'Azur, de Nice. Et je suis très heureux pour Charlie et je veux dire à toutes celles et à tous ceux qui ont répondu à son invitation, à tous les organisateurs autour de lui, combien nous sommes heureux pour lui et combien nous l'aimons. Merci beaucoup. On peut applaudir monsieur le maire, monsieur Christian Estrosi qui soutient avec beaucoup de chaleur, on l'a ressenti dans les propos, donc l'organisation de Charlie Bérard. Allez, on va... Voilà, vous l'avez entendu, monsieur le maire qui est présent sur ce parcours 115 km avec le dossard numéro 6. Antoine voilà. Vieux qui va participer. Antoine, je vous laisse dans quelques minutes le départ officiel. Donc je vais me préparer avec la moto RVPB pour poursuivre le peloton et je vous reprendrai en direct. La porte de l'appartement, un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Sur mes joues pour effacer le rêve.
la fin entre nous, en évitant mes lèvres. Sur le trottoir, les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots, les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Bonjour à tous, rebonjour, le départ fictif au stade Vauban va avoir lieu dans quelques minutes. Monsieur le maire de Serres numéro 6 est au départ pour cette course 115 km. Les motards de l'organisation sont prêts également. Nous sommes prêts également pour suivre le peloton en direction de Saint-André-de-la-Roche pour le départ réel. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien, dans quelques minutes, dans moins de 5 minutes, le départ sera donné. Le départ. Voilà, vous avez le speaker de la Charlie qui est en train d'expliquer les rouages du départ. N'oubliez pas que le maître mot doit rester la convivialité, l'amitié de se retrouver ensemble. Stade Vauban, pratiquement 9h. En deux minutes. Que chacun se devra de respecter, bien évidemment, pour que cette belle journée donc se termine aussi bien qu'elle a commencé. Alors déjà pour commencer, je vous répète quand même le trajet. Donc on va partir sur Saint-André-de-la-Roche, Falicon, Saint-Michel, Aspremont, Saint-Blaise, Révens, Châteauneuf-Vieille, Benne-des-Jeunes, Comtesse, Sclos-de-Comte, Col de Nice, Lescarène, Touette de Lescarène, Col de Brosse, Col de la Blé, Lucéram, Col de Nice, Pointe de Comte, et ensuite retour sur Saint-André-de-la-Roche. Voilà un peu le parcours des 115 km que vous allez suivre sur VIP Radio. Alors non pas tout en direct forcément, puisque je suis sur la moto, donc je vais faire des coupures, mais vous écouterez ça durant tout le parcours, puisque je m'arrêterai ou je ferai des petites pauses pour reprendre le direct et vous expliquer un peu ce qui se passe dans le peloton. Voilà. La fierté de la France du cyclisme il y a quelques années de cela, qui ensuite a été et toujours un dirigeant de grande qualité, passionné comme à ses plus beaux jours, Charlie, qui occupe aujourd'hui le poste de CTS du comité Côte d'Azur. Il décède. Voilà, donc avec Christian Estrosi, numéro 6, devant le départ, prêt à partir avec son vélo. On peut dire, on peut comparer un petit peu en faisant allusion à Henri Sagnier, qu'on connaît très bien, le parrain de VIP Radio. Qui lui aussi organise au mois de septembre la Ronde Picarde et auquel nous serons présents, et lui aussi maire de sa ville, fait partie de cette course. Voilà, Charlie Bérard également, qu'on a interviewé tout à l'heure, est au départ de cette course de vélo, bien sûr, qui porte son nom. Hein. Voilà, il est devant, avec, je ne vois pas le numéro de son vélo, mais il est juste à côté de monsieur le maire. Évidemment, également, donc, la carrière d'excellent dirigeant qu'il fut. Voilà, alors qu'on avance donc 700 coureurs au départ. Voilà, 700 coureurs au départ. Après Charlie. On les a atteints, non ? Allez, mesdames et messieurs, donc le départ va être donné en deux fois. Il y aura le départ des personnalités et des dames dans un premier temps. Et ensuite, on aura le départ des messieurs. Voilà, le départ a été donné. Ça y est, les coureurs sont partis. Je rends l'antenne, pause musicale sur RVPB pour la suite.
let me be. 'Cause you don't care, but please set me free. Don't you know? De retour sur cette émission reportage VIP spécial Salon du Var.
Normalement, il faudrait passer en bas. Hein. Oui, donc je suis maintenant, le départ fictif a eu lieu au stade Vauban à Nice. Et maintenant, nous sommes au départ réel à Saint-André-de-la-Roche. Voilà. Donc là, les coureurs du peloton des 115 km vont s'apprêter à partir dans quelques minutes. Rappelons que monsieur le maire Christian Estrosi, numéro 6, a pris le départ de cette course, ainsi que Charlie Bérard également, pour cette cyclosportive. Voilà, le départ est lancé donc sur cette cyclosportive depuis Saint-André-de-la-Roche, le départ réel, départ arrêté bien sûr. Jérôme, donc Vif Radio Online, en plein cœur du coton, pour Vif Radio, et notre association RVTB. Donc je laisse passer tous les coureurs qui étaient derrière moi au final, puisque nous sommes partis avec le peloton de tête depuis le stade Vauban, à savoir le peloton de Charlie et de Monsieur le maire, peloton d'environ 50 coureurs. Et là maintenant, nous avons la totalité du peloton de 75 km qui est en train de partir. Alors, on l'a entendu tout à l'heure, Claudy Barral nous l'a dit, on fait partie de l'organisation, il y a environ 700 coureurs sur cette Charlie Bérard. Et derrière, je peux vous dire qu'il y en a une bonne partie sur les 700. Allez, je vous laisse, je remonte l'antenne. Je vais prendre le départ en dernière position. Allez, de retour sur cette émission reportage VIP au cœur de la course. Avec la moto et la TV, nous sommes à 2 petits kilomètres de zéro dans l'arrière-pays. Nous avons dépassé Saint-André-de-la-Roche. Nous sommes dans les communes niçoises, comme on peut les appeler, et nous allons en direction de Palicône. Voilà. Voilà, de retour sur cette Charlie Bérard 2013. Nous sommes donc partis tout à l'heure de Saint-André-de-la-Roche, Falicone, Air-Saint-Michel, et actuellement nous nous situons à Aspremont et nous allons aller en direction de Saint-Blaise. Voilà, à tout à l'heure. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert la vie? À quoi ça sert, dis-moi? À quoi ça sert sans toi? Je ne veux plus vivre dans ce monde où tout le monde est de plus en plus immonde. Je ne peux plus vivre dans ce monde où tout le monde est complet. À quoi ça sert l'amour? À quoi ça sert d'aimer? À quoi ça sert, dis-moi? À quoi ça sert sans toi? À quoi ça sert d'y croire? À quoi ça sert se voir? À quoi ça sert, dis-moi? À quoi ça sert tout ça?
un petit peu cette émission en différé de reportage VIP sur la Charles Bérard. Alors, je suis à bord, hein, bien sûr, de ce peloton. Alors, j'ai passé le peloton de tête, mais là maintenant, c'est les échappés, on va dire, hein, plus ou moins, qui sont en ouverture de la course. Nous avons passé les villages de Aspremont, nous avons passé Saint-Blaise, nous avons passé Lévens tout à l'heure, nous avons longé la plaine du Var, bien sûr. Pour le moment, nous allons en direction depuis Lévens jusqu'à Châteauneuf-la-Vieille. Voilà un petit peu là où nous en sommes. Et à Châteauneuf-la-Vieille, nous irons en direction Bédéjan. Bédéjan qui est le premier ravitaillement de ce parcours des 115 km pour les coureurs. Et là, pour l'instant, nous sommes à 2,2 km. Et nous arrivons sur Châteauneuf-la-Vieille. Voilà. Alors, pas mal de coureurs au bord de la route. Alors, c'est des gens qui ne font pas la compétition, hein, qui ne font pas la Charles Bérard, mais enfin, donc c'est des supporters qui sont venus en vélo, hein, qui sont venus en vélo supporter cette course. Voilà, là je suis en ouverture, hein, de la Charles Bérard à l'avant de la course. On ouvre la piste, voilà, sur Vite Radio Online.
você aonde for. Deixa que meu sentimento me leve a você. VIP Radio, nous sommes à Bédéjin, premier ravitaillement de cette Charlie Bérard. Je viens juste de m'arrêter il y a moins d'une minute et les cyclistes sont déjà derrière moi. C'est énorme, la rapidité de cette course. Les premiers cyclistes viennent déjà de passer, j'ai même pas pu voir les dossards. Vous imaginez un petit peu l'allure à laquelle ils roulent, voilà. Alors, je vais rester un tout petit peu à côté de ce ravitaillement. Pour l'instant, personne ne s'est arrêté pour ravitailler, justement. Donc, c'est assez marrant. C'est la tête de course, hein, forcément. C'est la tête de course. Voilà, donc, je fais une petite pause avec la moto RVPB, puisque nous avons déjà parcouru 1h45 de course depuis Saint-André-de-la-Roche. Voilà, dossard 1017, 1300, et ça descend. 1262. Alors, il y a eu un arrêt au stand quand même. Il y a eu un seul arrêt au stand pour l'instant. Et oui, c'est la tête de course, hein. Ils sont là pour gagner. Donc, bien sûr, il ne s'arrête pas au ravitaillement. Voilà. Allez, je vais repartir de toute façon. Donc, on va redémarrer. Pause musicale sur cette émission en différé. Retour en direct sur cette émission reportage VIP spécial. Charlie Bérard 2013. Voilà, Jérôme à l'antenne en direct, www.vip.fr.st, sur cette émission spéciale Charlie Bérard 2013. Les coureurs de tête sont en train de monter monter en direction du col de Brosse. Nous avons passé le col de Nice il y a quelques minutes en arrière. Col de Nice qui annonçait la séparation entre le petit parcours de 85 km et le grand parcours de 115 km. Voilà. Pour le moment, nous sommes évidemment dans le parcours du 115 km. Le col de Nice est derrière nous. Nous avons dépassé l'Escarène, Touette de l'Escarène. Et là, nous allons en direction du col de Brosse. Col de Brosse qui est situé, je crois, à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Mais là, l'altitude exacte, hein. Je ne sais pas à combien nous sommes, mais voilà un petit peu pour vous situer. Il est 11h20 et là les coureurs sont en train de monter ce col de Brosse. D'où je viens, j'ai laissé en chemin mes matins d'enfance et un peu d'espérance. D'où je viens, mais pas sur le chemin, imprègne ma vie de mélancolie, de mélancolie.
et mes pas m'emmènent sur l'autre rive. Seul. Sans savoir où je vais, seul. Sans savoir où je vais, seul. Seul. Sans savoir où je vais, seul. Seul. D'où je viens, j'ai mordu la poussière. Et vu tant de misère, là d'où je viens, d'où je viens, mon regard fatigué cherche à l'horizon. Retour en direct, Jérôme à l'antenne, pour vous faire vivre cette Charlie Bérard 2013. Je suis en direction du col de Brosse. Col de Brosse, arrêt, petite pause pour la moto RVTB. Voilà, nous sommes à 560 mètres. J'attendais de vous donner l'altitude tout à l'heure. 560 mètres et nous allons en direction du col de Brosse qui, je crois, de tête, mais je vous le redirai tout à l'heure, se situe à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Donc après ce col de Nice, direction le col de Brosse et ensuite il y aura le col de l'Ablée, avec une pointe ravitaillement. Mais je pense que pour la tête de course, la pointe ravitaillement, ce ne sera qu'accessoire, car pour l'instant, les coureurs de la tête de course ne s'arrêtent pas au ravito. Donc ça ne sera pas pour eux. Mais bon, ceci dit, ils sont là. Alors donc, oui, j'ai fait une petite pause casse-croûte à bord de la moto Vif Radio, histoire de se reposer 5 minutes, car il est 11h30. Ça fait 2h30 que nous sommes partis depuis le stade Vauban à Nice. Et d'ici moins de 2h, nous serons arrivés au stade Vauban. Et la boucle sera bouclée. Donc c'est pour ça que je fais ma petite pause
histoire de repartir du bon pied. Alors, col de Brousse, 1002 mètres, et il reste environ 350 mètres de dénivelé. Voilà ce que je vois sur les pancartes actuellement. Et nous sommes à 610 mètres d'altitude, à 18 km de Sospel. Soleil, bien évidemment, sur la Côte d'Azur aujourd'hui. La météo est très très bonne et la température avoisine les 17-18 degrés à l'ombre, je précise. Voilà. Et je pense que les coureurs doivent avoir très très chaud. Allez, Dossard, trois coureurs devant moi. Dossard 1306, 1187 et 1288 qui vont sur la direction du sommet du col de Brousse. Allez, encore des motards devant moi, motards de l'écurie Spock magasin de vélo à Saint-Laurent-du-Var d'ailleurs, à côté de 4-3000. Dossard 1087 aussi que je viens de doubler. Allez, un petit peloton de quelques dizaines de coureurs, 1144, 1266, 1035. C'est la tête de course, hein, évidemment, qui est devant moi, vous l'avez bien compris. Et là, je peux vous assurer que tout à l'heure, la vitesse était au rendez-vous. Là, c'est normal, c'est le col qui est en train d'être monté. Donc là, les coureurs sont en plein effort. Hein. Dossard 1240, juste devant moi. Allez, dénivelé, 331 mètres, restant sommet à 5 km. Il reste 330 mètres de dénivelé et 5 km pour atteindre le haut du col de Brousse, situé à 1002 mètres.
tous me disent de toi que tu es l'un son du tambour, leur maître à penser, leur loi. Reportage VIP spécial Charlie Bérard, col de Brousse actuellement, dénivelé 50 mètres restants sur cette portion du parcours des 115 km. Donc nous allons atteindre le col de Brousse et il nous reste 50 mètres de dénivelé et le sommet se situe à 1 km je crois. Voilà, d'après les panneaux. Allez, là les cyclistes sont en plein effort. Dossard 1004 devant moi. Ils sont en plein effort, mais c'est bientôt terminé pour ce col. Et ensuite, ça sera la direction du col de la Blé, avec d'ailleurs le ravitaillement. Alors, d'ailleurs, nous ne captons plus. Nous étions en direct. Alors sommet 5,5 km de ce col. Car nous avons lâché, je suis désolé, je vous explique, nous avons lâché les sentiers battus des routes nationales pour prendre les chemins de rando cyclistes. Et là, nous allons aller vraiment au plus haut de ce col de Brousse à 5,5 km. Nous avons quitté la nationale. Alors donc je continue mon explication. Donc l'émission qui a lieu également en direct sur Vip Radio, là pour l'instant j'ai dû couper l'émission et couper le direct car nous ne captons pas là où on se situe à plus de 800 mètres d'altitude. Donc là vous êtes en train de découvrir dans cette émission podcastée les envers du décor de cette émission reportage VIP sur cette Charlie Bérard 2013. Voilà, étant donné que nous ne captons pas le réseau correctement pour émettre avec la 3G ou avec le réseau Edge. Donc heureusement que le différé est bien présent. Le ravitaillement, je vais m'arrêter au point ravitaillement pour voir un petit peu s'il y a du monde dans cette ascension du col de Brousse. Hop. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse en pause musicale sur Vip Radio. Et à tout à l'heure pour la suite. Voilà, de retour pour cette émission. J'ai passé le col de Brousse. Nous avons passé le col de la Blé avec le ravitaillement. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude. Les montagnes enneigées des Alpes-Maritimes sont devant moi. Je vais prendre une photo. Vous les verrez sur nos blogs et réseaux sociaux de toute façon. Et là, après, nous allons aborder la descente en direction de Lucéram. Voilà pour la suite des événements. Georgia,
skip to Georgia on my mind. Don't keep about Georgia. Sur Lucéram, depuis le col de la Blée, je suis environ à 800 mètres d'altitude. Lucéram que je peux voir d'ailleurs de visu dans les virages. Lucéram que vous avez pu découvrir par notre intermédiaire à Noël dernier, au mois de décembre 2012. J'avais fait une chronique découverte sur le village de Lucéram à propos du circuit des crèches. Parce qu'il faut le savoir, chaque année à Lucéram, il y a un circuit des crèches de Noël qui est fait par tous les habitants de la ville, du village qui mettent des crèches dans leur maison. Et en fait, c'est fait pour que les gens voient ces crèches, les prennent en photo, etc. Voilà, donc là,
est à 600 mètres d'altitude et où vous pouvez retrouver chaque hiver à Noël le circuit des crèches. Je vous invite d'ailleurs à découvrir cette chronique si vous ne l'aviez pas écoutée. Elle est sur notre blog Dailymotion de l'association RVPB et vous pouvez découvrir ce village dedans avec les photos des crèches de Noël d'ailleurs. Voilà pour cette pub, promotion pour l'UFIRAM. Retour à la course, parce que je me suis fait doubler par le dossard numéro 1171. Et nous allons redescendre. Depuis tout à l'heure, nous descendons sur le col. Là, les concurrents ont fait la partie la plus difficile du trajet. Voilà, arrivé à l'UFIRAM précisément, panneau de la ville. Et donc en fait, comme je disais, les coureurs ont fait le parcours le plus difficile là, parce que maintenant c'est que de la descente jusqu'à Nice. Donc là maintenant ça va aller normalement tout seul. Ça va aller tout seul. Merci aux bénévoles également qui sont autour de la route et qui nous guident dans ce trajet. Voilà, je leur ai fait signe. Merci à eux parce que sans eux, la Charlie Bérard ne pourrait être faite. Sans ces bénévoles au bord de la route qui guident les cyclistes, les coureurs, l'organisation, la presse, etc. pour que nous puissions rouler en toute sécurité sur le circuit de cette course. Voilà. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'à l'intérieur du peloton de la Charlie Bérard, nous sommes le seul média presse moto qui est présent pour vous faire vivre cet événement. Hein. Parce que bon, les gros médias sont là également, je n'hésiterai pas, mais ils ne sont pas au sein de la course pour commenter à la radio en tous les cas. Nous sommes la seule radio à le faire, de commenter cette Charlie Bérard. Attention, je me suis dépassé. Dossard 1202, et il y a un autre cycliste qui nous passe, 1007, Dossard 1007. Voilà, trois cyclistes devant moi, qui est à 50 km/h environ, 60 même, et eux, ils sont à plus de 70 à l'heure. Allez, je rends l'antenne. We'll always love you.
direct Moto RVPB Vip Radio Online sur cette émission spéciale Charlie Bérard. Le village de Lucéram a été dépassé forcément, vous l'avez bien compris, j'ai dit juste avant la pause musicale. Nous avons dépassé effectivement, nous avons aussi dépassé le village de l'Escarène pour la deuxième fois, puisque nous l'avons pris tout à l'heure monter au col de Brousse. Là, ça y est, l'Escarène est derrière nous encore, à nouveau. Donc nous nous redirigeons maintenant en direction de la ville de Nice et de la pointe de Conques avant. Pointe de Conques, prochaine route, et ensuite Saint-André-de-la-Roche et le stade Vauban à Nice pour rallier l'arrivée de cette Charlie Bérard. Voilà. Alors des coureurs sont avec moi, numéro 260, 313, 258. C'est la tête de course hein, quasiment qui est présente dans cette descente de l'Escarène à Nice. C'est le numéro 193. Allez, je rends l'antenne et je vous retrouverai au stade Vauban. Peut-être avant si je peux m'arrêter, mais à mon avis, vu que j'ai un peu de retard sur les premiers, je vais continuer en plus. We'll be right back.
1, 2, oui, bonjour, de retour en direct sur VIP Radio Online, Jérôme à l'antenne, depuis le stade Vauban, ça y est, la course de la Charlie Bérard est à présent terminée, donc je vous avais quitté aux alentours de l'Escarène, et j'ai tenté de remonter le peloton de tête pour arriver avant les coureurs, et je n'ai pas réussi, mais ceci dit, il n'y avait pas de présentation des... J'ai pas entendu du coup la présentation des premiers arrivés, mais il y aura le podium tout à l'heure, donc on sera là. Voilà, donc on va attendre le podium. Normalement on sera là. Et voilà, donc là, Stade Vauban, les sportifs sont en train d'arriver pour se restaurer. Voilà, j'espère que cette émission reportage VIP vous a plu. En tous les cas, en direct de cette Charlie Bérard 2013, pour vous faire vivre cet événement au cœur de l'actualité. Voilà, je rends l'antenne et à tout à l'heure pour la clôture. Monsieur Estrosi, bonjour. Monsieur Charlie Bérard également, on s'est vu tout à l'heure. Monsieur Estrosi, vous avez terminé cette course de la Charlie Bérard. Je l'ai terminée, j'ai essayé de faire honneur à mon ami Charlie. Ah, je vois ça. Et puis, c'était une belle fête du vélo, magnifique. Vous êtes arrivé avec des gens, je sais pas, très loin. Mais je crois que ce qui est formidable dans la Charlie Bérard, c'est que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se prend au sérieux. En même temps, tout le monde respecte l'éthique du vélo. Et puis, on traverse quelques-uns des plus beaux paysages du pays niçois. Et c'est vraiment l'esprit vélo comme on l'aime autour de la Charlie Bérard. Et en plus, moi je l'ai vu sur le long de la, tout le long de la route, on peut remercier les bénévoles également qui étaient là pour nous guider, autant en moto qu'en vélo. Eh bien, tous les clubs de Nice sont mis au service de l'organisation de l'IFC, un grand nombre de bénévoles, mais c'est ça aussi l'esprit du cyclisme, des bénévoles engagés dans toutes nos compétitions sportives, comme nous le verrons d'ailleurs sur le Tour de France cycliste bientôt, dans quelques mois de cela. Et je suis fier de voir combien le cyclisme niçois continue à entretenir une tradition très ancienne qui continue à montrer à travers toutes les générations d'ailleurs qui étaient présentes ce matin et un grand esprit de solidarité. Merci à vous.
avait les yeux clairs et elle avait ton âge. C'était une petite fille sans histoire et très sage. Mais elle n'est pas née comme toi, ici et maintenant. Comme toi, comme toi, comme toi, comme toi. De retour en direct sur VIP Radio, la course de la Charlie Bérard est donc à présent terminée. Alors je vais vous communiquer les classements. Alors avec plus de 700 participants cette année, alors concernant les 115 km, c'est le jeune Florian Hudré qui s'est imposé. Le cycliste du team Vulco de Vaux-en-Velin a filé à travers les 5 cols du jour. Ceux de Châteauneuf, de Villevieille, Calasson, Nice, Brosse et Lablé. Voilà, à hauteur de Clos de Comte, 54 km de l'arrivée, il a pris son envol pour être accompagné du deuxième Antoine Lavieux et le troisième Andrea Paluane. Voilà, donc Florian Hudré s'est imposé en 3h22 minutes et 34 secondes. Lavieux s'est imposé en 3h22 et 36 secondes, donc vraiment 2 secondes d'écart, coude à coude. Et Andrea Paluan en troisième en 3h25 minutes et 10 secondes. Voilà. Ensuite, concernant les femmes, concernant la catégorie féminine, c'est Sandrine Polizzi qui termine devant Mylène Trabot et Lindsay Douglas. Et pour la course des 85 km, c'est Jimmy Rebaud, champion de France amateur de 2012, qui a remporté cette Charlie Bérard sur le parcours des 85 km, accompagné de Jean-Philippe Valenti et Guillaume Rinaudot. Jimmy Rebaud qui le termine donc ce parcours des 85 km en 2h19 minutes et 17 secondes. Ensuite, Jean-Philippe Valenti termine ex aequo en 2h19 minutes et 17 secondes également. Et Rinaudot, troisième, donc 2h19 minutes et 18 secondes. Donc c'est vraiment pas grand-chose, ils étaient tous les trois au coude à coude. Voilà. D'ailleurs, Jimmy Rebaud a évoqué cette Charlie Bérard en expliquant qu'à l'époque, hein, quand il était au pôle Don Bosco, c'était Charlie, son entraîneur. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, nous avons écouté tout à l'heure Monsieur le maire de Nice, hein, Christian Estrosi, qui a fait la Charlie Bérard. Il a fait le parcours des 85 km et il a terminé en 3h37 minutes et 33 secondes. Voilà. Concernant les remerciements, un grand merci à toute l'organisation, alors notamment Ernest, Claudine Barral, Maurice Bayle, vice-président, qui nous ont accepté chacun une interview pour présenter cette course. Merci également à Monsieur le maire, hein, Christian Estrosi, qui était au micro de VIP Radio avec cette Charlie Bérard. Merci à tous de nous avoir écoutés, hein, aux auditeurs bien sûr, depuis 8h ce matin en direct pour les interventions sur la moto avec la régie mobile RVPB, mais également aussi à nos artistes musicaux au sein de notre association RVPB qui nous ont accompagnés sur la programmation musicale, hein, à savoir Jean-Philippe, Lucia, Alvaro, Pascal, Boudax. Alors, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous sur VIP Radio pour un prochain reportage dans les semaines à venir. Restez à l'écoute de Saint-Laurent-du-Var, VIP Radio Online, www.vip.fr.st et passez une bonne fin de week-end en ce dimanche après-midi ensoleillé sur la Côte d'Azur. Pour ceux qui s'y trouvent, et si vous n'y êtes pas, bah, écoutez-nous pour avoir un peu de soleil via Internet. C'était Jérôme en direct du Stade Vauban à Nice pour la clôture de cette émission.